Bonjour à tous, bienvenue à la cérémonie d'ouverture du Festival chinois du documentaire sur le thème « La ceinture et la route » dans la catégorie « Burundi ». L'année 2023 marque le 10e anniversaire de l'initiative « La ceinture et la route ». Produit par CGTN en plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, le français, l'arabe et le russe, plus de 60 films consacrés au pays le long de la ceinture et de la route, remplis d'histoires fascinantes et des moments d'émotion, seront présentés au public du monde entier durant l'événement. À cette occasion, CGTN français et la radio-télévision nationale du Burundi ont décidé de lancer conjointement le Festival chinois du documentaire dans la catégorie Burundi. Bonjour Monsieur Frédéric Nzeyimana. Bonjour, je suis Freddy Nzeyimana, présentateur du journal télévisé en français à la Télévision nationale du Burundi. Effectivement, c'est un grand honneur pour la Radio-Télévision nationale du Burundi de participer au Festival chinois du documentaire en collaboration avec CGTN français. Par ailleurs, notre directeur de la Télévision nationale a tenu à prononcer un discours pour célébrer dignement cet événement. En 2018, le Burundi et la Chine ont signé un mémorandum d'entente sur la promotion conjointe de la ceinture économique de la route de la soie et la construction de la route de la soie maritime au XXIe siècle. Ces dernières années, les deux pays n'ont cessé d'approfondir leur coopération dans les domaines des infrastructures, de l'exploitation minière, de la production d'électricité, de la production agricole, de l'éducation, des TIC, etc. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'interviens en tant que directeur de la Télévision nationale du Burundi à l'occasion du Festival chinois du documentaire et de la projection de documentaires sur le thème « Ceinture et route ». Nous l'avons fait, nous le faisons et nous le ferons. Dans les mois à venir, plusieurs documentaires chinois seront diffusés sur la RTNB. Des tranches de diffusion réservées aux documentaires chinois et aux séries chinoises seront toujours disponibles sur les antennes de la RTNB. Je souhaite, à travers ce cadre, présenter au public burundais une Chine réelle et développée dans tous les secteurs de la vie et renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples burundais et chinois. C'est également dans cet esprit que les chaînes RTNB et CGTN ont décidé d'approfondir davantage leur coopération en dehors de ce festival. J'espère que ces coopérations entre médias apporteront une nouvelle dimension à l'amitié entre nos deux peuples. Un grand merci à toutes les équipes de CGTN et à tous les participants. Vive la coopération entre nos deux chaînes. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Faustin Ndaizeye, directeur de la RTNB, pour ses encouragements. Effectivement, les échanges culturels sont au cœur de l'amitié entre les deux pays. Pour Mme Nancy Ninette Mutoni, secrétaire nationale à l'information et à la communication du CNDT-FDD, cet événement joue un rôle très important pour renforcer la compréhension mutuelle des deux peuples et la coopération dans le domaine des médias. C'est très important car ça va permettre à nos deux peuples de se rendre compte des avancées respectives et des richesses culturelles de chaque côté de nos pays. Mais aussi ça va nous aider à nous compléter et à améliorer notre vision par rapport à la culture, mais aussi à la culture générale en gros. Mais c'est aussi une façon pour notre télévision nationale de faire connaître au peuple burundais ce qui se fait ailleurs comme une source d'inspiration, de changement et de coopération aussi dans le domaine des médias, ce qui est très important. Merci à Madame Nancy Ninette Mutoni. L'art est un pont qui permet de relier les peuples, même quand ils ne parlent pas la même langue. Monsieur Frédéric Nzeyimana, vous êtes avec Madame Justine Bitakoye, réalisatrice burundaise de la RTNB. Elle veut présenter ses meilleurs vœux de réussite au Festival chinois du documentaire.
Justine Ebita Goyer, réalisatrice à la Radio-Télévision nationale du Burundi, quelle est votre vision par rapport aux films et documentaires chinois? Merci beaucoup, Freddy Nzeimana. Comme vous venez de le souligner, je suis effectivement réalisatrice à la RTNB au sein du département de la télévision, où je fais la réalisation des films documentaires ou de fiction, mais aussi où je réalise plusieurs émissions. Alors, vous demandez mon regard par rapport aux films chinois. Ce que je peux dire, c'est que ces films sont de très haut niveau. Ce sont des films qui ont une très bonne qualité d'image, mais également un très bon son. Et sans oublier de signaler aussi que le contenu est très important parce qu'il nous permet de voyager et de découvrir la Chine sur toutes ses facettes, surtout dans le domaine culturel. Donc, en tant que réalisatrice à la télévision nationale, vraiment, je trouve que ces films sont de très haut niveau et j'espère que la RTNB va aussi emboîter le pas et pouvoir, dans l'avenir, produire de tels films qui ont une très bonne qualité. Mmh. Et des films de haut niveau. Donc, quel est votre vœu pour ce festival? Ce festival, d'abord, je dois souligner que c'est un événement très important qui permet de véhiculer la culture chinoise à travers le monde et particulièrement à travers l'Afrique, mais aussi ici au Burundi, parce qu'on a des films documentaires, beaucoup de contenus chinois qui sont diffusés à la télévision nationale, justement dans le cadre de promouvoir effectivement ces échanges culturels entre les pays. Donc, comme c'est un événement très important, je souhaite que cet événement soit pérennisé, qu'on continue de recevoir ces films chinois parce que ça nous enseigne au niveau de la technicité. Quand on est réalisateur, on est appelé à regarder, à visionner beaucoup de films. Comme ça, on peut comprendre la logique et la démarche des autres et ça nous instruit. Donc pour moi, je souhaite une bonne continuité et une pérennisation de ce festival de films chinois. Dernière question, Justine. Est-ce que vous avez des liens avec la Chine? Ça, je dirais que c'est une question personnelle. Bon, les liens avec la Chine, je les ai surtout à travers ce que je lis, à travers effectivement ces échanges que nous voyons, à travers les échanges au niveau des émissions. Donc, je n'ai pas encore été en Chine physiquement, même si j'aimerais le faire, pour pouvoir vraiment voir que ce qu'ils nous envoient, ça correspond effectivement à la réalité qu'on peut découvrir sur terrain. Donc, jusqu'à présent, mon lien avec la Chine se limite à ce que je vois à travers les films qu'ils nous donnent, et à travers les informations. Mais je pense que ça serait beaucoup plus bénéfique si on pouvait approfondir ces échanges et ces liens, non seulement pouvoir avoir ces contenus chinois ici à la télévision nationale, mais que vice-versa, les contenus de la RTNB, des films des réalisateurs burundais, puissent aussi voyager. Être diffusés en Chine. Être diffusés en Chine, pour que aussi tous les Chinois connaissent aussi le Burundi et notre culture. Et le film, ça nous permet ça, ça nous permet de voyager, de nous évader à travers le temps et tout ça. Je souhaiterais vraiment voir ce que je vois dans les films, le voir en réalité sur terrain en Chine. Merci Justine et bonne chance. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Freddy. Merci. Merci beaucoup. Plusieurs documentaires produits par CGTN seront bientôt diffusés sur la chaîne de la RTNB. Je vous invite vivement à les regarder et à laisser vos commentaires sur le compte de CGTN français sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, voici une promo du documentaire « Les sons peints », une visite virtuelle du millénaire. Thank you.
qui sont-ils ? Sans peinture de plus de 10 musées à travers le monde expriment en silence des histoires. La soie et l'encre documentent les mystères millénaires laissés par les gens de la dynastie Song. 6 pages web interactives vous amèneront explorer le puzzle. L'animation permet d'analyser chaque œuvre pièce par pièce. La visionneuse d'images HD présente des indices en détail. Les présentations bilingues brisent la barrière de la langue. Des universitaires et des artistes du pays et de l'étranger se réunissent ici. Quelqu'un place des puzzles. Quelqu'un résout des énigmes. Every time that I look at, I'm so moved. 中国台话是他们互相抄袭，还是一张是真的，一张是假的？它表现的不是一个时间的长度，而是一个时间的深度。 Et vous êtes le public. Les Song peint, une visite virtuelle du millénaire.